Notion N de 2, multiplication de nombres décimaux. Première partie, vocabulaire. Dans une multiplication, les nombres que l'on multiplie s'appellent les facteurs et le résultat s'appelle un produit. Exemple, 329 x 25 égale 8225. Donc les nombres 329 et 25 sont les facteurs de la multiplication. Et le résultat 8225, c'est le produit. Du coup, on dit que 8225 est le produit de 329 par 25. Calcul posé. Deuxième partie, donc je, je vous demande d'aller de, regarder dans le à outils partie méthode où il y a la fiche explicative. Et bien entendu, vous avez la vidéo correspondante en ligne petit trois calcul en ligne donc on peut effectuer de tête tout produit dont l'un des facteurs n'a qu'un seul chiffre différent de zéro donc s'il y a plusieurs zéros et un seul chiffre euh, on pourra faire euh, le produit de tête euh, et donc ne pas passer par le calcul posé alors pour cela comment on le fait donc on part du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de zéro et on va le multiplier successivement par chacun des chiffres du second facteur en commençant par les chiffres les plus à droite euh, on fait attention bien sûr aux retenues et à la fin on place la virgule dans le résultat en comptant le nombre de chiffres après la virgule dans chacun des facteurs comme dans le calcul posé. Exemple, euh, j'ai 7,80 x 6, donc je vais partir du facteur 6. Donc il n'y a pas d'histoire de facteur de gauche et de facteur de droite, on part du facteur qui n'a qu'un seul chiffre, différent de 0. 6, il n'a qu'un chiffre, donc je multiplie par les chiffres du second facteur en commençant par les chiffres les plus à droite et en ne prenant pas en compte la virgule dans un premier temps. Donc je fais 6 fois 1. 6, pas de retenue. Deuxième produit, 6 fois 48, euh, 6 fois 8, pardon, 48. Ah, il y a deux chiffres, donc c'est une retenue. J'écris que l'8 et je retiens 4. 6 fois 7, 42, plus les 4, 46. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je compte combien il y a de chiffres après la virgule dans chacun des facteurs. Premier facteur, il y a deux chiffres après la virgule. Deuxième facteur, il n'y en a aucun. Donc, il doit y avoir dans mon produit, donc dans le résultat, deux chiffres après la virgule. Je place la virgule. Deuxième produit, 0,03 fois 29,5. Premier facteur, je vois qu'il y a deux zéros et un 3. Ah, un chiffre différent de 0, il faudra que je parte de lui. Deuxième facteur, il y a trois chiffres. Donc je pars du 3, j'oublie la virgule et je fais 3 fois euh, 295. Et je commence par les chiffres les plus à droite. 3 fois 5, 15. J'écris le 5 et je retiens 1. 3 fois 9, 27. Plus le 1 de la retenue, 28. Deux chiffres, j'écris que les unités. L'autre, c'est une retenue, j'ai une retenue de 2. 3 fois 2, 6, plus la retenue, 8. J'ai terminé le produit avec les chiffres. Maintenant, je place la virgule. Premier facteur, il y a deux chiffres après la virgule. Deuxième facteur, il n'y en a qu'un. Donc, dans la réponse, il doit y en avoir trois. Donc, ma virgule est forcément devant. Alors, ce nombre, ben, il n'existe pas comme ça. Donc, je suis obligé de rajouter le 0 devant. Propriété. Dans une multiplication, on a le droit de regrouper les facteurs et de changer l'ordre des facteurs, donc c'est pour faire du calcul astucieux. Remarque, donc pour faire le calcul astucieux, il y a trois produits à connaître par cœur et à faire apparaître quand on fait du calcul astucieux. Donc si vous voyez calculer astucieusement, euh, que ce soit dans une addition ou une multiplication, ça veut dire qu'on va pas faire, on va pas prendre les nombres dans l'ordre de gauche à droite, mais euh, il va falloir changer l'ordre des thermos des facteurs pour faire apparaître des astuces. Alors, dans un produit, les nombres qui vont ensemble, c'est les deux avec les 5. Alors, il peut y avoir aussi des virgules. Hein. Je peux avoir 0,2 x 0,5 ou 0,2 x 50. Hein. Il y a bien, on a on a vu que dans le produit, les 0 euh, et les virgules, euh, c'est important pour le résultat, mais pas pour la partie avec des chiffres. Euh, donc, les, le 4 va aller avec le 25 pour faire euh, former 100 et le 8 va avec le 125. Alors, premier exemple, A égale 2,56 fois 5. Donc, je repère qu'il y a des chiffres, des, des nombres qui vont ensemble, c'est le 2 et le 5. Donc, première partie, je change l'ordre des facteurs et j'écris à côté, alors au début ou à la fin, hein, vous faites comme au volet, euh, mets, j'écris à côté euh, les nombres qui vont ensemble. Donc, je vais pouvoir regrouper le 2 et le 5. Je les souligne pour bien montrer que dans les opérations qu'on fait, ça va être celui-là qu'on fait. 2 fois 5, ça fait 10. Et je multiplie par le 5,6. Alors là, on va utiliser euh, des astuces euh, et des propriétés qu'on verra un peu plus tard en calcul mental, hein, mais que vous avez déjà vu à l'école primaire. Pour multiplier par 10 un nombre, on doit décaler la virgule d'un rang à droite. Alors faites attention, souvent quand vous venez de l'école primaire, euh, vous avez bien retenu euh, une propriété qui vous dit que pour multiplier par 10, on rajoute un zéro, mais ça, c'est valable uniquement avec les nombres entiers. Donc à partir du CM1, quand vous avez vu les nombres décimaux, faut faire attention. Cette propriété, euh, eh ben elle ne s'applique pas de la même manière parce que si là je me contente d'ajouter un zéro, euh, le zéro sera placé donc après la partie décimale. Euh, or 5,6 et 5,60 c'est le même nombre. Et donc, on n'a absolument pas multiplié par 10. Donc, il faut bien faire attention. La vraie règle, et la seule règle, c'est décaler la virgule euh, vers la droite quand on multiplie. Et quand on divise, on, dit, on décale vers la gauche. Si on a des nombres entiers, ça revient à rajouter des zéros. Mais s'il n'y a pas de nombres entiers, ben c'est du décalage de virgule. Euh, donc, ici, il y a une virgule. La virgule, elle, elle est là. Si je décale d'un rang à droite, j'obtiens le nombre 56. Voilà. Je pense à encadrer mon résultat ou à l'entourer et je pense bien entourer la lettre avec. Alors c'est pas un euh, ce n'est pas du tout un cercle que je veux, mais un ovale. Donc pour vous, hein, c'est plus facile que l'ordinateur. Deuxième exemple. b égale 25 x 6,8 x 4. Donc ici dans les facteurs à regrouper, je vois qu'il y a le 25 qui va aller avec le 4. Et il y a 1 fois 6,8, alors que je laisse au début ou à la fin, il n'y a aucune importance. J'ai changé l'ordre des facteurs, je souligne les deux facteurs que je regroupe. 25 fois 4, je connais mon produit par cœur, ça fait 100. Et je multiplie par 6,8. Donc pour plus, multiplier un nombre par 100, je rappelle que 100 a deux zéros, donc je dois décaler la virgule de rang à droite. Alors, la virgule, elle est là. Un rang à droite, j'obtiens 68. Deux rangs à droite, il faut que je rajoute un zéro, j'obtiens 680. J'entoure mon résultat. Et je passe au dernier exemple. Toujours pas. Alors, 8 x 12,36 x 125. Donc, dedans, je repère qu'il y a un 8 et un 125. Donc, je change l'ordre des facteurs et je les écris à côté. Je regroupe mes deux facteurs en les soulignant. 8 x 125, ça fait x 1000. Et j'applique la propriété 1000 à 300. Donc pour multiplier un nombre par 1000, je dois décaler la virgule de 3 rangs à droite. La virgule est là. Un rang, j'obtiens 123, 123,6. 2 rangs, j'obtiens 1236. 3 rangs, il faut que je rajoute un 0. J'obtiens 12360. Je vous rappelle que les espaces, c'est pas pour faire joli, c'est obligatoire. Donc il faut vous appliquer quand on écrit. Euh, quand on écrit des grands nombres ou des nombres petits, hein, aux conventions d'écriture, je dois regrouper euh, les, les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule. Là, ça peut marcher. En tout cas, il faut encadrer ou entourer. Ça n'a toujours pas marché. je ne veux pas plus loin, mais tant pis. Mais donc, vous, il faut que vous l'entouriez. Voilà. C'est enfin, mon zéro, du coup. Petit cas de calcul avec le calculatrice. Donc, si je veux calculer ce produit-là, donc, euh, il faut que je tape hein, 182,4 fois 7,95. Donc, comme pour l'addition, hein, je tape d'abord le 1, puis je tape le 8, puis le 2. Ensuite, la virgule, le 4, le fois, le 7, la virgule, le 9, le 5, et, et j'exécute le calcul. Donc, euh, le résultat, le calcul va s'afficher en haut. À gauche et le résultat va s'afficher en bas à droite donc je tape à la, la calculatrice puisque là je ne le fais pas de tête hein, c'est un nombre c'est un produit qui a quatre chiffres fois trois chiffres j'obtiens 1400,08 on écrit bien le résultat en ligne à la fin 182,4 fois 7,95 égale, et là je fais attention aux espaces. Puisque le nombre a quatre chiffres dans la partie entière. Voilà. Cette notion est terminée.